mandamiento camada, administrador, actual, nacional, actual. Bueno, apelé a ser muy paciente. Je passe bien à aujourd'hui, nous avons besoin des médias qui sont en train de faire des protégés. Directement, tu es informé de la gendarmerie. Et ils sont venus. Il y a demandé, on m'a dit que vraiment il y avait une coupure de courant, une fois, deux fois, troisième fois maintenant. Et ils sont dehors. D'avoir appelé directement mon appel, mon service. De 23h50 à 6h du matin. Mais le problème, c'est quoi? Il n'y a pas d'accès. Il y avait l'intervention qui s'appelle Pompier, mais il n'y a pas d'accès pour l'intervention. C'est ce qui a fait tout ce problème. D'accord, tout ça là, hier on avait fait le constat, on avait parlé de tout cela. Maintenant, c'est concernant les branchements, on voit des branchements de façon anarchique là-dessus à Madina. Ou en tant qu'administrateur du marché, comment faites-vous pour gérer ça? Nous sommes administrateurs. Vous demandez à un commerçant ici, et dit que vraiment il est abonné, c'est un abonné de l'église. C'est là le problème. Nous voulons dire réellement que Dieu prend ses dispositions. Même si ce n'est pas sur marché, mais dans toute la ville de commerçants. Sinon, vraiment, c'est catastrophique. Mais il faut aussi ajouter qu'il y a des groupes qui sont installés ici, qui nous fournissent un peu d'énergie. Oui, mais le groupe qui sont installés mais ici, sont pas je suis d'accord. Je suis d'accord. Le groupe qui sont installés ici donne le courant de la journée. À partir de 17h30, 18h, tout le monde est éteint. C'est là le problème. De 17h30 à 18h00. Quelle est l'origine de cet incendie? Tu as dit c'est un coupé de courant. Est-ce qu'à date, on peut savoir estimer au moins les dégâts, les pertes? Effectivement, nous avons fait une expertise à 352 conteneurs de l'église. 24 ateliers de couture. 62 tables d'analysis pour le moment. Mais la fumée continue? Mon ami, la fumée continue, effectivement. La fumée continue. Et selon les informations des commerçants, il y en a qui vendent des bitons. Il s'agit surtout des terres. Donc ça va faire 3 jours comme ça. Donc c'est le plastique. Selon le compteur, ça s'appelle compteur. Est-ce que vous avez reçu de l'aide extérieure pour pouvoir dégager ça rapidement et... Pour le moment, non. Est-ce que vous avez un appel à lancer? L'appel à lancer à l'autorité, surtout, d'aider pour le commerçant et de nous aider à avoir une meilleure installation. Merci. Bon, j'ai une dernière question. Vous-même, vous constatez que les filles sont n'importe comment ici. En tant qu'administrateur, vous ne prenez pas de dispositions parce qu'à ce rythme-là, il y aura toujours des courts-circuits. Quelles dispositions vous pouvez prendre? Soit on reste avec le courant des DG, soit on reste avec le courant du marché. Quelles dispositions vous pouvez prendre en tant qu'administrateur? En tant qu'administrateur, nous préférons de rester avec les DG. C'est ça la vérité. Merci.